avec David Despin, le directeur sportif des Léopards. C'est une journée importante. On a vécu le retour des petits et des filles à la Miamori, mais également la signature de 8 jeunes qui partent en Pôle France. Villeneuve, cette année, c'est le club qui procure le plus de joueurs pour ce pôle. Oui, 8 jeunes, donc une cuvée exceptionnelle. C'est une première dans le club qui, normalement, fournit 1 à 2 athlètes au pôle France de Crève de Toulouse. Et cette année, ben, 8 jeunes. Ça reflète bien le travail. Je crois que c'est le fruit du travail qui a été mené depuis 5 ans. Et je crois qu'aujourd'hui, ça se concrétise par la signature de cette convention. Il y a toujours cette étroite collaboration entre le SAV et Villeneuve 13 qui procure des joueurs eh bien, pour les cadets, pour les juniors. 8 joueurs, c'est énorme. Est-ce que ces joueurs ont des possibilités plus tard de pouvoir devenir des joueurs de haut niveau? Ah ben c'est certainement 8 joueurs qui vont constituer dans les prochaines saisons et certainement l'effectif d'élite 1. Donc sur les 8, ça serait bien qu'on en ait 8 qui sortent d'ici 2-3 ans. Tu as eu un discours avec eux, puisque toi tu as vécu des caps internationales également. Hein, d'ailleurs, tu te rappelles de ton jeune temps international. Laurent Carrasco était aussi présent. Fabien Devicky était aussi présent. Michel Laville également. Ça, c'est une étape pour ces joueurs-là de pouvoir, comme tu dis, atteindre le Graal de l'équipe de France. On va peut-être entendre la Marseillaise et ne pas oublier Villeneuve. Oui, c'est l'objectif de tout joueur de haut niveau ambitieux. Et ils ont la possibilité d'être accompagnés par le club. Les familles sont accompagnées d'une manière financière par le club pour soutenir leur scolarité. Et je crois que c'est un dispositif unique en France dans le monde trailiste. Et on est très fiers de ce que fait le club et les présidents Jean-Pierre Sagnette, Patrick Maury et les présidents bien sûr du SAV. Qui sont Olivier Boyer et Florent Cossy. Merci beaucoup David. À très vite. Avec plaisir.